Le FC Barcelone traverse actuellement une période de grands bouleversements. Après des semaines tumultueuses, le club a décidé de licencier Xavi et de nommer Ancy Flick comme nouvel entraîneur. Johan Laporta, le président du Barça, réalise ainsi son rêve de recruter un manager allemand de haut niveau. Cette nomination marque le début d'un renouveau ambitieux visant à rivaliser plus efficacement avec des géants tels que le Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Le remplacement de Xavi par Flick n'est pas sans controverse, surtout que Laporta avait annoncé un mois plus tôt que Xavi resterait une saison de plus. Le licenciement, annoncé le 24 mai, souligne la pression et l'instabilité au sein du club. La réussite de Flick sera cruciale pour l'avenir de Laporta, car un échec pourrait mener à un vote de défiance et à la démission du président. Flick, ayant déjà remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, Apporte une expérience et une rigueur qui faisaient peut-être défaut au Barça. Connu pour améliorer la condition physique de ses joueurs et pour son approche stratégique basée sur une pression intense et un haut niveau d'intensité, Flick compte tirer le meilleur de l'effectif actuel, en mettant sur les jeunes talents et en entraînant de lourdes dépenses sur le marché des transferts, contrairement à Xavi. Feuilleter les plans précis pour chaque position sur le terrain, avec des ajustements et des renforcements envisagés, notamment en défense et au milieu de terrain. Il pourrait intégrer des joueurs comme Joshua Kimmich ou donner plus de responsabilités à des jeunes comme Gavi dans des rôles plus physiques. L'accent mis sur la condition physique et la discipline devrait transformer des joueurs comme Pedri, Joao Félix et Lamine Yamal en véritables machines de haute performance. En somme, le FC Barcelone se prépare à une véritable révolution sous la direction de Hansi Flick. Les supporters devront peut-être s'attendre à des changements majeurs dans l'équipe, mais l'objectif est clair. Ramener le club au sommet du football mondial.